Yes. Marlène, je suis tellement content que tu ailles bien. Ne pleure pas, papa, ta barbe me pique. Cloud, tu vas aller aider Iris, hein? Elle a tant fait pour toi, pour moi, pardon. Si la Shinra est responsable, je ne peux pas rester là, je viens aussi. Devine quoi? Iris m'a posé plein de questions. Comme quel genre de garçon tu es? Je crois qu'elle t'aime bien, Cloud. Je ne sais pas. Idiot! J'aime pas Iris, donc j'ai pas envie de... de faire les bons dialogues. Tu vas chercher Iris, n'est-ce pas? Oui. Je viens avec toi. Nous allons au cœur du QG de la Shinra. Tu dois te préparer au pire. Je sais. Je suis bien décidé à donner tout ce que j'ai. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Pardonnez-moi, mais pourriez-vous vous occuper de Marlène un peu plus longtemps? Oui, bien sûr. Genre jusqu'à la fin du jeu. Cet endroit est dangereux. À présent, vous feriez mieux de partir ailleurs. Tu as raison, mais promets-moi de revenir pour elle. Ne te fais pas tuer. Comment peut-on rejoindre la tour Shinra? Plus aucun train ne s'y rend. Moi, j'ai une idée, parce que j'ai déjà fait le jeu. Dans ce cas, allons au Wall Market. Peut-être y trouverons-nous quelque chose. Même fort probable. Enregistré. Comme d'habitude. Et si vous regardez en haut à gauche, ça va écrire que ça... Ça télécharge dans le nuage. C'est apparu l'espace d'une seconde. Alors. Allons au Wall Market. Ça ressemble un peu à Walmart, le nom. Le fameux supermarché américain et canadien. Enfin, il existe au Canada. D'accord. J'ai envie de vérifier un truc. Ah oui, d'accord. Dévoiler, machin, ok. Ouais. C'est bien ce que je pensais sentir. Et le temps de faire tout ça, j'ai perdu plein de vie. Mais c'est pas grave. Fuck. Ah, une maison. Alors pour tuer la maison... Faut y aller fort. Ah merde, c'est nul. Nul. Nul, nul, nul. Chute suicidaire. Ça va faire mal. Ah non. C'était nul, nul, nul. Alors que Dr. Loup joue à Monster Hunter. Sachez-le. Vous ne le voyez pas sur l'écran, mais moi je vous le dis. Je vous le dis, je vous le crie. Merde. Ah ça va, les petits trucs comme ça, ça se mange au petit-déj. Ah, Cloud qui a sa limite. On ne va évidemment pas utiliser. À moins qu'on se refasse aggro, mais... Je m'étonnerais. Et j'aimerais bien ne pas me refaire aggro comme ça. Faire pas de vie. Ok, nickel. Hop.
Voilà. Comme ça, je peux aller à l'auberge. Et pour 10 balles être soigné. Alors qu'une tente pour le même effet coûte 500 balles. Merci beaucoup, n'hésitez pas à venir. Alors, est-ce qu'ici maintenant ça marche? Bip. Je sais pas, il me semble qu'il y a un truc à faire ici à un moment, mais. Alors, vous vous souvenez le mec qui faisait sa soupe là à droite? Depuis que le ciel nous est tombé dessus, cette marmite est remplie de poussière. Je vais devoir tout recommencer. Tout ce temps perdu. Don Corneo, quand on avait été le voir. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Hey, mais c'est toi! Désolé, mais j'ai eu vent des rumeurs. Non seulement tu aimes t'habiller en femme, mais en plus, on m'a dit que tu avais tendance à tout casser autour de toi. Ici, on n'accepte que les clients bien élevés, t'as compris? Alors dégage. Merde. C'est juste un moyen déguisé pour dire, c'est une zone que tu ne peux pas accéder, enfin à laquelle tu ne peux pas accéder. Bon, y a rien d'autre à faire de particulier dans cette ville de ces morts pour l'instant. Pour l'instant, nous, tout ce qu'on veut, c'est aller. Voilà, suivez-moi, un truc génial, yes, lol. Du coup, on y va. On suit ces petits enfants. Et ils disent, hé! Ils ont grimpé le long de ce câble, ça fait peur, bro. Vous croyez qu'on peut y grimper? Ouais, ça mène au monde du dessus. Ok, grimpons. Mais on n'y arrivera jamais. Tu as une idée de jusqu'où ça monte? Ça reste possible. Regarde, qu'est-ce que représente ce truc pour toi? Juste un câble? Ah oui? Eh bien pour moi, ça ressemble au fil doré de l'espoir. Quel poète ce Barrette, hein. Tu as raison, c'est le seul moyen qu'il nous reste de sauver Iris. Ok, l'analogie n'était peut-être pas des meilleures, mais je comprends ce que tu ressens, Barrette. Allons-y. Il y a un truc à faire avant, non? Ils ont grimpé le long de ce câble. Bah, mais attendez, 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 attendez. Il y a un truc à faire avant. Il me semble c'est là. Alors, pas forcément là, mais. Remarque qu'il y a des armes, donc je suis pas contre. Enfin, c'est de mithril, le problème c'est que. C'est que j'ai pas beaucoup d'argent. Mais par contre, équiper Tifa d'une vraie arme, ça m'intéresse. C'est lui là. Toi aussi, tu veux monter sur la plaque? Alors il va te falloir des batteries en zinc. Tu veux me vendre quelque chose que tu viens juste de ramasser? Ah, oh, tu es au courant, mais je les ai réparées, alors ça va. Pourquoi j'ai besoin de batteries pour monter sur la plaque? Tu comprendras quand tu y seras. 300 balles les trois, ça te va? D'accord. Quand même venu pour ça. Bon, normalement, ça on le sait en parlant à des gens ou si on monte avant. Moi je connais le jeu donc du coup je gagne du temps. Et on va grimper. Oh, c'est horrible, ça fait peur, hein. Papa dit que c'est la Shinra qui a fait ça. Exactement. Voilà. Alors là, si je monte, vois que je ne peux rien faire. Par contre, si je vais là et que je mets une batterie. Je vais devoir croire le patron du magasin d'armes. Je sais pas ce que c'est ce petit bruit. Et là vous verrez quand même. Le monde est bien fait. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et l'hélice se met pile poil au bon endroit.
Pas un délire. Bah si, normalement. Ah non, c'est par en bas, pardon. Ah, les perspectives dans le jeu, c'est pas facile. Hein. Hop. Ouais. Faut une batterie ici aussi. Hop. Ah ouais, c'était pour ça. On dirait qu'il n'y a pas d'autre moyen que de sauter sur cette barre. Ça devrait marcher si je saute juste avant qu'elle ne soit trop près. Yes. J'ai sauté trop tôt, soi-disant. Yes. C'était donc ça le petit bruit. Et donc effectivement, sans batterie, on ne pouvait pas réussir à monter. Tous ces câbles électriques qui nous aident. Une batterie ici aussi. Hop. J'ai gagné un éther. Super. Je suis du genre super content. Alors je suis censé aller où? À part nulle part. On va aller descendre à gauche. Ok. Alors par contre, moi je veux continuer de monter, voilà. Puis je veux descendre pour ensuite monter. Quelle histoire! Et me voilà sur le monde supérieur, on va dire sur les plaques supérieures. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à nous normalement. Hey, tu dois bien connaître cette tour, non? Pas vraiment. Maintenant que tu fais la remarque, je crois bien que c'est la première fois que je viens au quartier général. On en a un peu parlé. Les étages au-dessus du 60e sont des étages spéciaux. Ce n'est pas facile d'y accéder, même lorsqu'on est employé. Peut-être là que ces enflures ont emmené Iris. La sécurité a l'air assez réduite pour le moment. Alors allons-y. Attends une minute, ton plan c'est d'entrer comme ça par la porte principale? Ben qu'est-ce que tu crois? Je vais me faire quelques Shinra et. Ça ne marche pas de cette façon. On doit trouver un autre moyen. Y a pas d'autre moyen. Ça, si on continue à perdre du temps comme ça, Iris va. Je le sais ça, mais si on se fait prendre ici. Dis Claude, qu'est-ce qu'on devrait faire? On fonce dans le tas, on se glisse à l'intérieur sans bruit. On se glisse à l'intérieur sans bruit. Je vais vous montrer un peu le délire. Tu vois, il faut rester prudent et trouver un autre chemin. Alors, en gros, soit on passe par l'accueil et du coup, forcément, ça active des alarmes, il y a des ennemis, on prend l'ascenseur, mais on se fait arrêter à plusieurs étages, bref, c'est l'enfer. Soit on passe à gauche. Parce que, why not? Pourquoi pas, la porte sur le côté est ouverte. Et là, c'est l'enfer. On va vraiment monter jusqu'en haut à pied.
Faut bien que nous rejoignions Iris pour l'aider. Tu parles, on ne va jamais la trouver. Ne commence pas déjà te plaindre, moi j'y vais. Hey, Tiffany, il va pas tout seul. Et donc là, c'est le moyen discret, on va dire, de monter. D'ailleurs, se faire chier et monter ou à pied. Voilà. Voilà. Et c'est très long. C'est vraiment long. Mais au moins, il n'y a pas de combat. Pourquoi nos dalles chiens sommes-nous donc obligés de grimper? Pour ne pas trop se faire remarquer avant d'avoir sauvé Iris. Même si je doute que ce soit possible. Et je suis devant. Héhéhé. Arrête, tu me files les jetons. Alors, il y a des moments où même toi, tu combats pour d'autres personnes. Je m'étais donc trompé à ton sujet. T'es censé me faire plaisir? Pfff, quel sale caractère. Laisse tomber. L'avantage, c'est qu'ils mettent des dialogues pour passer le temps. Héhéhé. Quoi, Tifa? Si même toi, tu t'y mets... Jusqu'où vont ces escaliers? Tu n'as qu'à leur demander. Ce serait pas de ces escaliers sans fin ou un truc dans le genre? N'importe quoi. Tu as raison, ce n'est pas possible. T'es passé par les escaliers. Ouais, parce que je voulais montrer un peu aux gens ce que ça donnait. On y est. Et puis, je veux pas que les gens prennent du fun en me regardant jouer. Je veux que les gens se fassent chier. Et je me suis dit, les escaliers, c'est vraiment la meilleure idée. J'ai dit pas encore. Est-ce que... Écoute, arrête de me poser la question, nous sommes encore loin. Blablabla. Alors que j'ai trouvé un élixir. Alors, il y a plus de 60 étages, hein, donc... ras-le-bol, j'en ai marre, je fais demi-tour. C'est complètement con. Tu vas mettre aussi longtemps à descendre qu'à monter? Ouf. Là, si un moment où il fallait aller pisser, c'était le moment. Allez, Barrette, te laisse pas aller. Oui, bah moi, je suis pas fait que de chair et de sang, à part mon bras droit. Alors, ne me tais pas comme si j'étais un ex-soldat ou je ne sais quoi. Et moi alors, je suis aussi un être humain. Oh, et puis zut, fais ce que tu veux, moi je continue. Ah, bah arrête, passe devant en fait. Mais qu'est-ce qui te prend? Je ne suis pas un obsédé. Si tu le dis. Cloud, passe devant toi aussi. Si je veux pas. Ça pour pas qu'on regarde sous sa jupe. Alors qu'on a monté 50 étages avant. Dites, à quel étage sommes-nous? J'ai arrêté de compter. Bon sang, quelle idée de construire des immeubles aussi hauts. Peut-être Shinra, quelle bande de nuls. D'ailleurs, le saviez-vous, s'il y a un incendie, les pompiers doivent monter par les escaliers. Du coup, ils doivent savoir monter comme ça, avec tout l'attirail de pompiers. C'est l'enfer. Pouf, j'en peux plus. Marlène, papa aura aimé revoir ton visage une dernière fois. Arrête de jouer les idiots et grimpe. C'est sportif, ah bah oui. Allez, il ne reste plus grand-chose. J'espère. Et pour le coup, au Canada, à Québec, il y a une tour que les pompiers, ils s'entraînent. Ils font un genre de... Un genre de truc caritatif comme ça, où ils doivent monter tout en haut sans oxygène, enfin sans aide d'oxygène extérieur, quoi. Juste avec leur corps finalement. Et avec tout leur truc sur le dos. Et ils soulèvent des fonds comme ça pour une association. Enfin, nous y sommes! Non, plus jamais ça, je ne veux plus voir d'escalier jusqu'à la fin de mes jours. C'était vraiment crevant. Mais c'est maintenant que les choses se gâtent, alors tenons-nous prêts.
Donc là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas repéré. Alors, peut-être garder cet avantage. C'est une compète ou une démo? C'est une démo slash un entraînement slash un événement caritatif. Éliminons les intrus. Ils font ça une fois ou deux fois par an, je crois. C'est vrai que j'avais la limite. Sachant que moi là-bas je voulais faire ça. Que les robots, ça n'aime pas l'électricité. Nous, nos pompiers, ils se battent avec les flics à Paris. Ouais, j'ai vu. Quel enfer. Oh! Il a perdu son armure. Les flics qui ont des nouvelles grenades, d'ailleurs. Encore pire que les anciennes. Mais qu'est-ce qu'il branle? Il a hésité à venir, il est pas venu. Qu'est-ce que c'est? Badge 60. Donc là, j'ai accès aux salles. La charge explosive est moins grosse pourtant. Ouais, mais a priori... Hey Cloud! On a fait tout ce chemin, tu veux qu'on redescende au premier étage? Non. Bien, j'aime mieux ça, dépêchons-nous. On dit pas j'aime mieux, on dit je préfère. Du coup, ça c'était les ascenseurs pour descendre. Okay. Oh, je me souviens de cet ascenseur. Ouais, 60, c'est l'eau. Ah non. J'étais au 59e. À partir de maintenant, c'est du sérieux, ne baisse pas ta garde. J'espère que Eris va bien. Oh, cette mise en abîme. Alors là, il y a des gens. Évitez de les embêter, hein, ces gens. Ils ont autre chose à faire. Regarde-moi ces fichus gardes qui s'agitent de partout. Claude, passe devant et préviens-nous dès que la voie est libre. Alors là, c'est un mini-jeu. Entre guillemets. Se cacher derrière les pylônes. Tant que les gardes machin et appuyer sur OK pour partir. Re Dramo. Hop, et Tifa. C'est un peu Splinter Cell hein, finalement. Bon, du coup, Dramo, pour te faire un point rapide, on est dans le bâtiment de la Shinra. Ouf, c'était chaud ça. On a escaladé, enfin on a monté des escaliers, 59 escaliers, enfin 59 étages d'une grande tour. Ok, bien, ça va barder. N'oublie pas, nous sommes là pour sauver Iris. Je sais, bon sang. Putain, quand j'étais gamin, j'étais tellement mauvais sur ce passage. Ah, moi ça allait de mémoire. Par contre, j'avais jamais fait les escaliers avant très longtemps. Hein. J'avais toujours. Enfin, quand j'étais gosse, je rentrais toujours par l'entrée tranquille. Je ne t'ai jamais vu par ici, tu es nouveau?
Bien, alors je vais t'apprendre quelques trucs. Des trucs? Ne me regarde pas avec ces yeux de Merlan Free, j'allais simplement t'expliquer comment accéder à l'étage suivant. Les hauts dignitaires de la compagnie travaillent au-dessus du 60e étage, mais il n'y a pas moyen d'y accéder sans badge. Alors procure-toi un badge et tu pourras utiliser les ascenseurs en toute liberté. Voilà, ce bruit retentit dès que la porte de l'ascenseur s'ouvre. Rappelle-toi surtout qu'il existe plusieurs types de badges. Un seul badge ne suffit pas à aller où l'on veut. Par exemple, le badge 60 donne un accès jusqu'au 60e étage, alors que le badge 65 donne un accès jusqu'au 65e étage. Il s'agit là d'un système de sécurité digne de la compagnie Shinra. Après tout, c'est elle qui gère l'ensemble des ressources énergétiques à Midgar, et même dans le monde entier. Or, je dois y aller, remettons-nous au travail. Merci PNJ qui est là pour aider. Qu'est-ce qui la retient? Elle a oublié son badge? Même les employés ne peuvent pas se balader au-dessus du 60e étage sans badge. J'ai cru entendre du grabuge en bas il y a quelques minutes. Tu sais ce qui s'est passé? Non, aucune idée, mais c'est pas la peine de s'en faire. Tout ce qui se trouve au-dessus du 60e étage est sécurisé. Cet étage est un espace de détente. Les étages du dessus sont réservés aux gros pontes de la compagnie. Ce n'est pas facile de travailler sous les ordres de quelqu'un, ça crève. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un d'autre là. Ah bah il est là. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fiches ici? Oh je vois, alors tu dois faire partie du service des réparations de la Shinra. Tu sais, j'ai l'impression que cet immeuble commence à tomber en ruine. La porte de cet étage ne ferme plus, tu devrais la réparer tout de suite. Ah oui, et puis profites-en pour jeter un coup d'œil aux autres étages, tiens prends ça. Badge 62. Je me suis posé une question, étant donné que Crisis Core est une préquelle, pourquoi tu l'as pas fait avant FF7? Alors, je me suis posé la question longtemps. Et je me suis dit, moi je les ai découverts comme ça, et la plupart des gens les ont découverts comme ça, de faire d'abord FF7 puis Crisis Core. Et finalement, je pense qu'il y a des choses à savoir avant de faire Crisis Core. Mutation de la faune et de la flore aux alentours de Midgar. Étude. Archive du professeur Gast. Retenez bien ce nom, professeur Gast. Nouveau plan de développement urbain, yes. Voici la salle d'archives du département de recherche scientifique. Trouvez documents concernant le développement urbain, le développement militaire, le maintien de la paix, le développement spatial, se trouvent dans leurs salles respectives. Cité suspendue Shinra, problème de conception et délai de réalisation. Carte de la ville de Midgar, secteur machin. Ah oui, mais il me semble. Ouais, voilà, suivant où on regarde dans l'étagère, on a des trucs différents. Genre là, j'ai le 21, carte de la machin. Et là, j'ai le 4. Parce que pourquoi pas. Interdiction de déplacer les documents. Merci de bien vouloir laisser tous les documents de cet étage à leur place. Alors là, il y a un monsieur. Bonjour! Voici le Voici le bureau de Domino, le maire de Midgar. Le maire s'y trouve actuellement. Puis son adjoint. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me consulter. Non. Qui êtes-vous? Oh, c'est vous les fameux dont on parle. Moi, je suis Domino, le maire de Midgar. Sauf que je n'ai de maire que le titre. Cette ville est en réalité sous le contrôle de la Shinra. Mon travail se résume simplement à garder les documents de la Shinra. Moi, le maire, un archiviste. Oh. Un badge? Vous arrivez à deviner mon mot de passe, je vous donne le mien. Oui, c'est bien ça. Dites-moi le mot de passe et je vous donne mon badge. Vous le devinez du premier coup, j'y ajouterai même une récompense spéciale. Tu peux pas donner un indice? As-tu pu parler avec le maire? Quoi, un mot de passe? Ah là là, je vois, il a vraiment du temps à perdre. Mais tu ne peux pas trop lui en vouloir. Midgar tout entière est entre les mains du président Shinra. Je peux peut-être t'aider. T'as besoin de quelque chose? Aide-moi. Bon, d'accord. En tant que fonctionnaire, rien ne me fait plus plaisir que de rendre service. Voici donc un indice. Pour 500 balles. Ah, ça va aller... Bah ça alors, merci beaucoup. Écoute bien, il y a 4 salles d'archives à cet étage, correspondant à plusieurs départements différents de la Shinra. Chaque salle renferme une partie du mot de passe. Regarde attentivement tous les dossiers qu'elles contiennent. Le nom de chacune des salles est indiqué sur une plaque à l'extérieur. Alors là, développement urbain, et l'autre, c'est recherche scientifique. Je te donne le mot de passe pour moins cher. Cité suspendue de Shinra. Construction des réacteurs en zone urbaine.
calendrier de démarrage. Particularité biologique héréditaire des anciens. Carte de la ville. Carte de la ville. Technique de construction en urbanisme. Schéma illustré. Attendez, je vais aussi regarder les numéros. 18, 9. Attendez, je vais noter. Hein. Je vais tricher, mais j'ai du papier. Alors, 18, 9. 15. 20. Vingt et un, quatre. Et pour l'instant, je vois un mot de passe possible. Bonne chance, je suppose, FX. Je garde le stream ouvert, ok, cool. Le nom de la famille du président Shinra. C'est Shinra, du coup. Oui, oui. Vu que le fils du président s'appelle Rufus Shinra. Alors, mutation machin, donc c'est 6. Projet Genova. Alors, ça aussi, c'est un nom à retenir, hein, les petits amis. Faremis Gast. Pour lui, j'ai déjà dit qu'il fallait retenir. Une famille, c'est une société familiale, oui. Archive du professeur Gast. Dernière théorie sur l'évolution des formes de vie terrestre. Et enfin, nouveau plan de développement urbain. Donc là, je vois deux mots de passe possibles. Et je vais revérifier, mais là, c'est recherche scientifique. Et là, c'est développement urbain. Vous l'avez? Eh bien, dites-le moi. Le mot de passe est... Je sais pas. Best King Orbs Bomb Mako Ojo. Attendez, je pensais que c'était un truc avec des numéros, moi. Les témoins de Genova. C'était suspendu. Machin. Projet Genova. Je loupe quelque chose là, je pense. Gast. Oh. Ah oui, non. Hein? Ah, attendez, développement urbain. UM. UMPS. Rien qui avait ce nom-là. Et Oscur, et je te donne le pass. Ça marche. J'aimerais bien trouver par moi-même. Oh, j'ai noté les propositions. Best. King. Orbs. Ah, je crois savoir. Bah non. Si je crois savoir comment on peut faire. Ojo. Ah. On va juste. Ah. Il y a deux autres salles en haut que t'as pas fait. Merde, le con. Ok, mais de toute façon, moi, je pense que ma théorie est bonne. En gros, chaque armoire a deux chiffres. Et les chiffres vont. Loin là de ce que j'ai de 2 à 25, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et du coup, si on fait une ligne ici, genre les deux étagères du haut, là, la jaune en haut et la bleue en haut, ça ferait 21, 4, 2, 25. Du coup, si on transforme les numéros en lettres, ça fait un code. Donc par exemple, là, 21, 4, le 4, c'est la lettre D. Est-ce qu'il y a une lettre D en deuxième position, non. 20, c'est quoi?
20, alors attendez, Z c'est 26. Ah oh, putain, YZ donc. X c'est 24. Donc V c'est 22. TU, donc T. T c'est le 20. Je vais le noter parce que ça va me saouler sinon. Hop. Il n'y a rien avec un T. C'est le U. Comment ça? Attends. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Ah oui, bien joué. Bien joué. Donc c'est U. Il n'y a rien qui a U pour deuxième lettre. 9. J'ai appris l'alphabet à l'envers. Mais après, chacun sa passion. Je ne juge pas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ah, là, il y a un potentiel. Mais non, parce que la première lettre, c'est 18 et c'est pas un K. Donc c'est mort. Donc c'est pas dans les bibliothèques du bas. On va regarder ici, peut-être. Attends. Plus à gauche. Du coup, 19, ça veut dire que c'est le T. Donc première lettre T, il n'y a rien. Là, j'espère que je suis parti sur la bonne piste. Hein. 11, armement Mako. Alors 11, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ah! K, c'est intéressant. 23. Bah là, on est loin. 23, 23, c'est pas ça. Et ici, 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Oui, H. Z. Putain de bordel de merde. C'est la salle d'archives du département, machin. Remettez tous les documents à leur place. Ok, bon, on va peut-être lire du coup. Truc spatial, livre blanc de sécurité. Ah, ma théorie était pourtant parfaite. Armement Mako. Ah, ça c'est un mot qu'on a. Ouais, rien d'intéressant. Projet de développement de nouvelles armes terrestres, production de matériaux. Là c'était le maintien de la paix. Là c'est quoi? Développement spatial. Épuisement de l'énergie Mako. Encore une fois le mot Mako. Département de développement spatial. Modèle d'aéronef IA 72, 79, pardon. Base de données des différents membres du soldat par classe. Moteur de fusée Shinra. Truc spatial. Regardez la plaque. Ah, regardez la plaque à l'entrée de chaque salle pour en connaître le nom. Ouais, bah non, on est déjà. Mais s'ils expliquent des trucs sur ça doit être intéressant. Bibliothèque d'archives Shinra, département. Bibliothèque d'archives Shinra, département de développement. DDMMP. DDS, non, bah non. Bah, ça parlait de Mako, donc. DDU. Je sais pas. Je vais tenter Mako. Avez tout faux, c'est encore mieux que ça, recommencer. Fuck, j'aurais pas la récompense. Mais merde! Que ça parle que de Mako au mieux dans les différentes salles. Essaye tout. Bah maintenant, ouais, j'ai plus aucune utilité à bien faire les trucs, mais ça m'embête. Normalement, c'est Mako. Ah! Donc, ok, donc. What? Comment puis-je t'aider? Redonne-moi l'indice. 4 salles, ouais, à chaque fois, une partie du mot de passe. Ah non, 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 chaque salle a un morceau du mot de passe. Le nom de chacune des salles est indiqué sur une des plaques. Donne-moi un autre indice. En tant que fonctionnaire, voilà.
Pour 1000 balles, laisse tomber. Mais quel enfer! Eh oui, mais normalement ça devrait être Mako. Est-ce que quoi? Bah, je sais pas, du coup de toute façon comme j'ai cramé la première chance. Hein... Vous l'avez, eh bien dites-le moi. Bombe. Bombe. Que j'aime entendre ce mot, bombe. Je suis tellement en colère, telle une bombe prête à exploser. Bon, d'accord, tenez, le voici. Badge 65. Finalement, vous n'êtes pas si bête. Allez, prenez également ça. Un élixir. Tu veux savoir pourquoi je fais ça? Pour me venger, bien sûr. La Shinra ne fait que me persécuter. C'est pour ça que j'ai été un peu taquin avec vous à l'instant. Maintenant, allez là-haut et faites-les vraiment souffrir. Je joue sur quelle version? La version Steam française. Ah, mais après, j'ai le patch Neo Midgar. Ça leur apprendra. Peut-être parce que j'ai le patch Neo Midgar? On peut monter, oui. Du coup, bombe, je sais pas pourquoi, mais bombe.